combien de temps? Elle est de retour ou pas? Ouais, génial, vous avez réussi à reprogrammer le skid. On a décidé de te garder dans le groupe. On a un problème. Le skid? Mais sans lui, on va plus pouvoir atteindre le cortex. Arrête. 24. Ah oh non, me dis pas que t'as joué. Toutes mes économies. 36. C'est vendredi 13 là. J'ai le nez. Je suis sûre que la chance va me sourire. 17. Ouais, enfin, une chance sur 76 millions de trouver les 5 bons numéros. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris toutes mes précautions. 45. Sûr, avec ça, c'est gagné. Et le 44. Pauvre vieux. Ouais, toutes ces économies. J'ai gagné, les gars. Ça vous tape, dis-vous. Ta vie va changer. Il a gagné. Enfin, ils ont gagné. Mais forcément un bug. C'est impossible qu'il y ait autant de gagnants, ils sont des millions. Et ça continue de monter. À ce rythme-là, ils auront plus grand-chose à se mettre dans la poche. Environ 0,0015 cents. Alors qu'ils se croient déjà tous millionnaires. Comme Odd. Tu crois que c'est signé Xana? Ça bouge sur Lyoko. Comme dit Odd, c'était trop bug pour pas être vrai. Robia, qu'est-ce que tu vois là? Bah, votre pain, monsieur. Ça, c'est la limite. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Ok, je peux y aller? Il me semble que tu internes, Della Robbia. Ouais, mais ça va changer parce que j'ai gagné. Tu as gagné? Tu as surtout gagné le droit de faire demi-tour et de retourner dans la cour. Et si tu insistes, je peux même te faire gagner des heures de colle. C'est bien une attaque de Xana. Et une tour active dans le labyrinthe du 5e territoire. Vous êtes prêts? Prêt. Virtualisation activée. Alors, ça vient d'où? Dans le labyrinthe du 5e territoire. Il y a une tour active. C'est parti. Transfert William. Transfert Yumi. Eh ben, c'est pas trop tôt. La
super cagnotte. Ça fait rêver quand même. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais le pactole? Ça risque pas de m'arriver, je joue pas. Et alors, ça t'arrive jamais de rêver un peu? Et toi, Yumi, tu ferais quoi de ton argent si tu gagnais au loto? Je donnerais tout à des œuvres. Et tu te garderais même pas un ou deux petits millions pour toi? Même pas un centime. Moi, si je gagnais la super cagnotte, je m'achèterais bien. Des Fly Manta? Certainement pas. La tour n'est plus très loin. Eh ben les Manta non plus. Je viens d'avoir une idée. Foncez à la tour, je vais servir d'appât. Qu'est-ce que tu fabriques? Allez, vas-y. T'en fais pas pour moi, Louis. Wouhou! On est là! Venez par ici! Je sais qu'il y a du spectacle, les filles, mais n'oubliez pas la tour. Vous êtes là pour ça. T'as peut-être envie de te mettre à l'abri? Parle pour toi. Savoir où vous en êtes, les filles. C'est bon, on y est. Elles ont réussi. Jérémy, on peut rentrer. Je peux te dévirtualiser si ça peut te faire plaisir. Alors là, dans tes rêves. Deux coques. Vous y êtes, les poules? Je veux dire, les filles. Le tirage a été annulé et la cagnotte va être remise en jeu. Tout est rentré dans l'ordre. Quant à vous deux... Vous avez été stupide. Puéril. Dangereux. Égoïste. On a été bons, ouais. Bah, excellent, même. Odd, ça va? Je suis ruinée. Tout est arrangé, Odd. Le tirage a été annulé, ils vont te rembourser ton billet et la super cagnotte va être mise en jeu. Je suis ruinée. Tu peux pas être ruinée, t'as même pas gagné. Je sais, mais je savais pas encore quand j'ai commandé 1000 roses rouges pour Samantha. 1000? Quand on aime, on compte pas. Ah mais ça t'a coûté combien ce délire? J'ai dit on compte pas. J'espère au moins que Samantha est pas allergique aux roses. Vas-y, moquez-vous. Allez, dramatise pas. D'après mes calculs, tu devrais avoir fini de rembourser tes roses dans... 200 ans. Pas sympa. On a un problème. J'avais remarqué, merci. On s'est fait avoir par Xana. L'attaque contre la loterie n'était qu'une diversion. Xana nous a baladés et il en a profité pour viruser le Skid. Le Skid? Mais sans lui, on va plus pouvoir atteindre le supercalculateur du Cortex. C'est certainement ce que Xana cherche à faire. Ok, c'est embêtant, mais si on perd le Skid, c'est pas définitif, non? J'ai envie de pas en reprogrammer un nouveau. L'urgence, c'est qu'est-ce qu'on fait pour numéro 11? Arrête, Odd. Tu sais bien que ça lui prendra des semaines. Et du temps, on peut pas se permettre dans les sacs, Xana. Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a rien à faire, je peux pas annuler ma commande. On n'a pas le choix. Il faut absolument libérer le Skid de son attache dans Lyoko. C'est le seul moyen d'éviter la propagation du virus. Et on peut pas être virtualisé avant 12 heures, on revient tous de mission. Pas tous. Ok, mais... Mais Rose, on va s'en occuper, t'es Rose.
Yumi, je compte sur toi. Transfert, Odd. Virtualisation. Je pensais à un truc pour mes roses. Odd, c'est pas le moment. File à l'ascenseur. Ok, ok. C'est bon, j'y vais. Eh ben, ça donne pas vraiment envie. Odd, si tu veux que je te transfère, tu dois te mettre sur le transpondeur du pilote. Hé, je l'ai conduit qu'une fois le skid et c'était il y a super longtemps. T'inquiète, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Surtout, c'est ton genre de chance. Hein. Très drôle, Jérémy. Transfert. C'est une mission impossible. Le skid est complètement contaminé. On peut encore le sauver, mais il faut faire vite. Tu dois libérer le skid de son arrimage. C'est par là que le virus se propage. Ok, mais je fais ça comment? Appuie sur le bouton blanc à droite de la console. Tous les boutons sont blancs. Faudra que tu sois un peu plus précise. C'est le sixième à droite. Va pour le sixième à droite. On fait quoi maintenant? Il faut sortir le skid du garage. Ça, c'est facile à dire. Tu as deux joysticks devant toi. Tire-les doucement vers toi. Doucement, doucement. Dans 3, 2, 1. Odd, ça va? Super! Ouais! J'ai réussi! Bon, bah, moi je suis de m'occuper des fers. Ah, Elisa, je voudrais pas t'angoisser, mais désormais t'as de la concurrence. Le virus a endommagé le système immunitaire du skid. Le skid n'est plus protégé. Ok, si le skid tombe dans la mer numérique. Odd. Allô la Terre, ici la Lune, vous m'entendez? Odd, tu maintiens ton altitude à 800 pieds et tu enclenches le pilote automatique. Vous savez quoi? Je m'offrirais bien un petit bain. Pas question. Mais attends, Anita, qu'est-ce qui se passe? Anita, il y a un truc qui cloche, c'est ça? Le système d'immunité du skid est en vrac, mais t'inquiète, on bosse dessus. Non, c'est bon, je m'inquiète pas. Vous bossez dessus. Pilote automatique enclenché. Et comme on a 2 secondes, là, elle en est où, Yumi, avec tes roses? Arrêtez. On peut pas les payer, monsieur. Faut arrêter de décharger la voiture, là. Ça va pas être possible, toutes tes roses. Je vous promets, on peut pas les prendre. On ne trouve pas le code endommagé. C'est pas que je commence à trouver le temps long, mais je peux savoir où vous en êtes? C'était quoi ça? Un trou d'air.
numérique. Sympa. J'arrive à rien. Allez chercher Laura, on a besoin d'elle. Dépêchez-vous. Ah, l'état qui fait appel à Laura, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ouais. Alors? Mais pour une fois, votre chambre sent la rose. J'abandonne. On va y arriver. Non, faut être lucide. J'arriverai à rien avec elle. Faut que j'oublie Samantha. À chaque fois, c'est la même chose. Je fais tout mon possible pour rattraper le coup que j'ai raté la fois d'avant. Et quand j'y arrive enfin, boum, il y a une nouvelle cata. C'est sans fin. J'ai vraiment trop la poisse. Va falloir désactiver le pare-feu passerelle, reparamétrer le système de détection d'intrusion et rerouter le tout. C'est simple, non? Odd, il faut que tu rentres dans les paramètres du système pour fragmenter les paquets et réactiver un nouveau firewall. Tu peux aller un peu moins vite, Laura. N'oublie pas que pour moi, c'est du chinois. Fais un effort, Odd. C'est le B.A.B.A. Même un enfant de 2 ans saurait le faire. Ok, je défragmente. Le pilote automatique a lâché. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si je plonge, eh ben, j'aurai plus jamais la poisse. J'adore ce super vendredi 13. Bon, tant pis pour le skid. Je dévirtualise Odd pour le ramener. Qu'est-ce que t'attends, Jérémy? Vas-y. Impossible de ramener Odd. Le signal n'est pas assez fort. Odd, c'est super, mais j'ai toujours pas assez de signal pour te ramener. Je peux pas ramener, mais je dois pouvoir faire l'inverse et virtualiser quelqu'un dans Skid. Mais personne peut être virtualisé, tu le sais bien. T'oublies quelqu'un. Quelqu'un capable de reprogrammer le Skid en un temps record. Moi? Je vais devenir le mieux Kogaer? Emmenez-la en salle des scanners. On n'a pas le choix. Odd, ça va? Odd, il faut vraiment que tu te ressaisisses. Odd, écoute-moi. Vendredi 13 n'est qu'une histoire de superstition. Tu dois croire en toi. Tu peux désactiver le virus. Je sais que tu peux le faire. Ok, Elita, dis-moi ce que je dois faire. Commence par éjecter les 9 skids. Virtualisation activée. Concentre-toi, Odd. T'as pas le droit à l'erreur. Prêt? Cette fois, j'espère que ça va vraiment marcher. 7XAM873PPV/32. Plus vite, plus vite. 22-43/676SQVT34. Paré pour virtualisation. Transfert, Laura. J'ai réussi! Ça a marché! Wahoo!
plus jamais tu me fais une peur comme ça, toi. Tranquille. T'es ma princesse. C'est toi le king. Mais on n'est pas passé loin de la cata, hein. Il faut absolument que je mette au point un programme qui scannera toutes les heures le système de protection du skid. Une sorte de vigiskid, pour éviter les mauvaises surprises. Hein? J'arriverai jamais à vendre toutes ces roses. C'est vraiment pas mon jour. Elles sont vraiment superbes, tes roses. Merci, Yad. C'est ce que tu voulais, non? Ouais, mais bon... T'as l'air super contente. Pas toi? Si. Enfin... Quand j'aurai fini de payer toutes ces roses. Dans 200 ans. 200 ans, peut-être pas. Si on s'y met tous, qu'on se serre la ceinture pendant quelques mois, on peut peut-être... Je voulais dire que... Bah ouais, comme ça... Ce sera un vendredi 13 pour tout le monde.